ancien joueur puis commentateur de légende des matchs des Bleus, Jean-Michel Larqué fête aujourd'hui ses 76 ans. Un personnage très populaire, mais qui aime la tranquillité et vit depuis plusieurs années dans la quiétude d'un petit village du sud-ouest. Il a longtemps formé le duo iconique de commentateurs des matchs de l'équipe de France et on a souvent tendance à oublier que Jean-Michel Larqué a d'abord été un grand joueur de football. Véritable légende de Saint-Étienne, où il a joué plus de 400 matchs, il a également plusieurs sélections en équipe de France. Après l'arrêt de sa carrière sportive en 1980, celui qui fête ce 8 septembre ses 76 ans se reconvertit dans un premier temps comme entraîneur, puis dans les médias. Aujourd'hui, il vit avec sa compagne, Régine Dolci, dans un petit coin de paradis au Pays Basque, lui qui est originaire de Bizano, Pyrénées-Atlantiques. Toujours très actif, Jean-Michel Larqué continue d'intervenir régulièrement à la radio. Il fait partie depuis plusieurs années des consultants choisis par RMC pour participer au débat de Rotten sans flamme, l'émission animée par l'ancien joueur du PSG, Jérôme Rotten. Mais ne comptez pas sur la légende du football français pour monter à Paris la semaine afin d'assister aux émissions. Bien installé chez lui, à Saint-Pé-sur-Nivelle, une petite commune de 7000 habitants située elle aussi dans les Pyrénées-Atlantiques, à quelques encablures de la frontière espagnole, le grand copain du regretté Thierry Roland ne bouge pas de chez lui. Tombé amoureux de la région, il a décidé de s'y installer avec sa compagne. Pas besoin d'être présent physiquement avec les autres présentateurs. Si est-il avantage de la technologie, s'amuse-t-il dans une interview accordée à Sud-Ouest. Jean-Michel Larqué dans une région magnifique originaire du coin, Jean-Michel Larqué a rapidement décidé d'y revenir et même lorsqu'il était encore joueur de la Saint-Étienne, si est-il dans le Pays Basque qu'il a fait construire sa première maison. La région est magnifique, s'extasie l'ancien footballeur, dans un article de La Provence. Loin des tumultes de la capitale, à l'image du champion du monde Vicente Lizarazu, qui a également fait le choix de vivre à l'année au Pays Basque, Jean-Michel Larqué mène la belle vie dans son hameau et ça lui va très bien.